Destin Gavé, opposant politique et militant de droits de l'homme congolais, a été kidnappé et jeté manu militari en prison après avoir réagi au discours mensonger du dictateur Denis Sassou Nguesso sur l'état de la nation. Selon les informations à notre disposition, l'opposant politique n'a pas fait l'objet d'aucune convocation. Visiblement, le régime despotique de l'empereur congolais ne supporte pas la pensée contradictoire lorsqu'il s'agit de dresser un bilan objectif de celui qui gouverne le Congo d'une main de fer depuis près de 40 ans. Clément Mirassa, doyen des opposants, a cependant condamné cette violation constitutionnelle qui porte atteinte à l'article 25 de la Constitution du 25 octobre 2015. Les arrestations arbitraires suivies des assassinats politiques au Congo sont devenues un fait banal. Denis Sassou Nguesso se sent tout puissant puisqu'il bénéficie d'un parapluie, celui de la France. Nous demandons la libération immédiate et sans condition de l'opposant Destin Gavé. Le Congo n'appartient pas à Denis Sassou Nguesso, ni moins à sa famille.